Mademoiselle. Ah, surtout ne vous fâchez pas. Voilà, je fais pour Paris Match une enquête sur les hôtesses de l'air. Alors, quelques questions, un peu de patience, c'est tout. Je vous écoute. Êtes-vous mariée? Mon Dieu, non, libre. Préférez-vous les blonds ou les bruns? Bruns. Les yeux bleus ou noirs? Noirs. Les voitures de sport ou familiales? Sport. Voilà la voiture, voilà l'homme, voilà les yeux. Laissez-moi vous conduire où vous allez. Vous m'avez eu. Je suis si fatiguée. Bonsoir. Mais c'est par gentillesse, les taxis sont en grève. Bon. Et si vous vous méfiez de moi, conduisez vous-même. Qu'est-ce que vous faites? Je vous regarde. Non, dans la vie. Je veux bien vous regarder toute la vie. Vous êtes journaliste? Non. Homme d'affaires. Pourquoi vous m'avez accosté? Je suis affreusement midinette. J'ai un grand faible pour l'uniforme. Mais maintenant j'ai honte. Faut que je vous fasse une confession. Je suis ignoble. La grève des taxis, c'est pas vrai, c'était il y a 6 mois, c'est un vieux journal. C'est aussi un vieux truc. Ah, vous connaissiez? Oui. Ah bon, petite coquine. C'est formidable de conduire ça. C'est votre premier sourire. Merci. Merci. J'aime les choses qui coûtent très cher. Vraiment? Oui. Et les hommes très riches. Je suis terriblement snob et terriblement sophistiquée. Mais je trouve que ça me donne terriblement du charme, non? Terriblement. Le coup de l'interview, le coup de la grève. Et maintenant, comment vous allez vous y prendre pour monter chez moi?